Non, mais non, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bâtons dans les. Il y a Marc qui a des bouquins qui m'ont foutu, peut-être qu'il n'en a pas encore. Exactement. Ouais. Pas possible, pas possible. Il était trop établi. Moi, c'est où elle s'appelle Orphan. C'est pas en français. Aujourd'hui, je me suis rappelé, j'ai bien entendu dans une forteresse. C'est une idée pour que tu me crois, avec l'idée pour que tu me crois. Je n'ai pas chien. Non, au début, j'ai dit quoi? J'ai dit un taxi normal. Ben, on connaît les tiges écartées. Il ne faut pas laisser un détail. Et Colila, quand il est mené, les écartées. Pourquoi? Qui c'est? Rachel, pourquoi? C'est elle qui m'a dit, Rachel et moi on parle, c'est elle qui nous a expliqué pour la Alia, et elle ne rapporte pas. Je dis, tu viens après son papier. Non, je ne dis pas. Okay. Ça m'arrive de parler avec une des belles-sœurs. Ok, c'est bien, non, c'est pas vexé, c'est pas vexé. Elle s'est vexée. Bon, Adéal, ma bâche, c'est pas vexé. Ma calhane, toi, le cadre, il a calhane, j'ai le cours, toi. Quand le marteau, tu l'as dit. Mais je ne pensais pas que c'était Rachel. Mais je ne pensais pas que c'était Rachel. Je me suis dit. Mais moi, tu vois quelqu'un qui ne fait pas attention. Bon, ok, je ne savais pas que c'était Rachel. Bon, allez, quel mille. Ok, c'est ça. Attends-moi maintenant. Attends-moi, je suis à Bonataz. Ouais, quand le Camus, il ne savait pas que c'était toi. Vivelle, au Khanid, je m'en rends compte que je suis là. Ouais, ok. Allez, salut, toi, tu repars. Heureusement qu'il y a une forteresse pour la sourde. Bien sûr qu'il faut faire. Il faut elle faire... m'a dit comment ça se fait, ils vous posent comme ça. Moi, tout, depuis le début, ils me disent quand tu vas partir, ils me téléphonent, ça c'est plus la même chose. Non, mais c'est, ils étaient corrects là. Dans la famille, en deux minutes, ils m'ont dit quand tu parles. Ah oui, le contraire là, c'est facile. Alors, Serge, est-ce que tu as tué quelqu'un? Tu as fait quelque chose, pas encore. Oui, mais pas encore. Pas ma connaissance. Pas ma connaissance. Alors, vous avez des dettes. Parce que moi, on ne fait pas aussi les dettes. Quelle dette? Non, là, les dettes, je ne l'ai pas payé. Non, il n'a pas dit ce que vous avez des dettes. Si, c'est marqué. Ah oui? Oui. Ah, non, on n'a pas des dettes. Ok, allez, ça suffit maintenant. Voilà, c'est pas possible. Il ne nous a pas demandé si on n'avait pas dit dette. Il y a marqué dans le papier. Quel... Non, je ne l'ai pas vu. Ok, d'accord. Non, mais mettre ma carte, c'est allé. D'accord. J'ai vu que rempli, moi. D'accord, ok. Ok. Allez. Non, j'ai rempli, moi. D'accord, ok. C'est prêt, je peux faire maintenant que tu dis ok. Ok, bon, c'est rien. Je peux partir. D'accord, mais c'est d'accord, moi, ok. J'ai vu. Moi, j'ai vu. Ah, ok. Ok, alors moi, je n'ai pas vu. Ok. Ah, je n'ai pas fait attention, peut-être. Non, peut-être que je n'ai pas fait attention, mais. Non, mais moi, quand tu m'as dit, est-ce que vous êtes. Il y a une procédure, etc. J'ai pensé à ça, mais la vérité.
Est-ce que vous avez une procédure judiciaire? On a dit non, mais on a une procédure. Ok, alors, dans ce cas-là, on n'a pas, on n'a rien à voir. Okay. Tout est on n'a rien à voir. Bon, allez. Mais tu as un plateau en bas. Où en bas? Il y a un plateau là. Ah, elle est au plateau. Ah, elle est-il comme un grand bouton? Je mets ici, mais il n'y a pas d'œuf du tout. Très, très, très. Une minute. Tout à l'heure, j'ai vu un plateau ici quand j'ai mis ce fil déjà. Ah, voilà, c'est moi, tu vois. Mais bon, comme ici, moi, je vais là. Parce que moi, quand je suis sorti, je dis, je mets un plateau. Oui, tu vas que tu es là avec le plateau. On est le bas du matin.
Allez, top. Oui. Tu as entendu, Amos, que demain, les masques, c'est obligatoire à partir de 8 h du matin, même dehors? Moi, tout le temps, le masque est obligatoire depuis toujours. Moi, je mets le masque tout le temps. Non, là, Allô? le ridou, c'est que c'est même dans la rue. Même dans la rue, oui, même dans la rue. Même le meuble français. Bon, allez. Alors, ça D'après va? MJ, C'est vrai pas? Tu t'es reposé un peu? quand, de quoi tu parles? Aujourd'hui, moi. Non, pas aujourd'hui, je ne suis pas reposé, non. D'accord, c'est comme ça. Quoi. Non, parce que tu dors tard. Je ne sais pas à quelle heure tu te réveilles pour le sléhaut et tout ça. Mais je veux dire, Blanara, c'est pas comment tu fais. Moi, c'est difficile, peut-être parce que moi, je suis devenu un peu Ah non, non. une voiture d'occasion. Je suis devenu une voiture d'occasion. Ah non. Allez. Allez. Madnidjin, on s'arrête à la Mishnah d'Av Kufyud Gimel Amoud Rishon. D'accord. Dli bepiskaya, avallo behevel. On peut attacher un seau avec piskaya. Vous vous rappelez ce qu'est piskaya? Et on a vu dans la Mishnah précédente, Rachid avait expliqué Ezor Rahav. C'est une ceinture large. Et à l'extrémité, il y a des choutines avec on l'attache. Donc, Ah on peut oui. attacher le dli avec piskaya, mais pas avec un hevel. Pourquoi? Hevel, tu vas le récupérer. Pardon, piskaya, tu vas le récupérer. Mais le hevel, tu risques de le laisser là-bas éternellement. Donc, auquel cas, ce sera un kaishal shel kayama. Hein, depuis ce qu'il y a, tu le récupères parce que tu l'utilises pour autre chose. Bah oui, c'est quelque chose qui est noble, que tu te revêts de ça, c'est comme une ceinture. Ouais. Rabbi Oudah Matir, Rabbi Moi, Oudah. si Rachid ne nous a pas dit Pesquia, Hevel, machin, moi, j'aurais traduit Stelfulfustria, Tarb, le mezel, Chimiofustria. Bon. Rabbi Oudah Matir, Et voilà. Rabbi Oudah permet. Pourquoi? Bigmara Mefaresh. Klal Amar Rabbi Ouda. Rabbi Ouda, il donne le principe suivant. Kol kesher she'eno shel kayama in hayavin alav. Tout OK. kesher qui n'est pas shel kayama, nous ne sommes pas hayav. Tout ça demande sur quoi il revient Rabbi Ouda. S'il revient sur ce qu'il vient de dire, a priori, ça ne marche pas très bien. Pourquoi? Parce que Rabbi Ouda, il a dit matir, matir le khatrila. Oui. Et quand tu dis que le cas chez nous, c'est comme un hayavin alaou, C'est-à-dire hayouv avant les la cas, sourde. hayouv les cas, aval isurika, comme la Gemara était médaillée hier, oui, dans le daf précédent. Alors c'est pas tout la valeur sourde, ça marche pas très bien. À moins que quand tu sautes à roche, il répond comme ça, il dit là, là, mais Kavana c'est mouta le khatila, mais quand il a dit en hayavin alaou, il a. C'est le même lachon que la Gemara un peu plus haut, la Mishnah un peu plus haut. Bon, en tout cas, tu te poser la question. Théma. Echa kai. I amilte, s'il revient sur ses paroles, amilte kamaita. Ata matir le gamre. Va ha katarin hayavin alar. Mashma isura eka ki zek chas la'im. Voilà. Toi, je vais vous proposer deux réponses. Première réponse, yesh lomar, d'achika amar. Korke shasheno shil kayama, en hayavin alar. Ah, Shel Kayama. Par contre, si c'est Shel Kayama, Hayavin Alaou, ou Afilo Aniva. On est Hayav, et même si c'est une Aniva, si c'est un Kesher Shel Kayama, même si c'est une Aniva, on est Hayav. La pour que mi de la banane, de Amro Aniva, la Wainuk Shira. Pas comme Hachamim y pense. Qu'ils pensent qu'une aniva, ce n'est même pas une kshira. Hachamim, Marcha, dit, Hachamim, quand ils ont dit Ah kosherin oui, donc lui, avallo donc. bech, mashma dafka kshira. Quand Hachamim, ils ont dit que c'est un problème, mashma dafka kshira. Mais aniva, c'est permis. Et moi, Rabbi Yehuda, c'est-à-dire, tout ça, comment ils ont répondu, Bémet? Donc le but de Mahmer Achab. Rabbi Yehuda, il est mahmir. C'est vrai? D'après C'est-à-dire
C'est-à-dire, il y a maintenant. Dans ça, il est mahmir. Dans ça, il est mahmir, oui. Voilà. Donc, ça veut dire que le but, c'est le diyuk, le dikduk. Oui. D'accord. C'est kayama en hayavin, ashir kayama, hayavin afilo aniva. Pas comme ça. Voilà. Ça, c'est réponse numéro 1. Réponse numéro 2, inami. Amay de katane beresha en hayavin alehem, taye rabi yehuda. Ah. Ouais. Donc, c'est quoi la réponse? Deuxième de Tosfot. Il revient à la Bioda sur ce qu'on a dit en haut. En hayavin ale. Alors moi j'ai compris qu'il revient sur. Sur la Mishnah d'en haut. La Mishnah d'avant. Le début de la Mishnah d'avant, c'est marqué Shlecha Sharim She En Hayavin Alehen. Ça revient sur ça. Shlecha Sharim She En Hayavin Alehen. Cela She En Hayavin alors. En quoi ça s'arrange? Amay de katane beresha en hayavin alein. Une seconde. On voudrait dire que la réponse, ça serait le'olam, j'aurais dû dire moutar, mais je dis en hayavin alein comme le lachon de la Mishnah d'en haut. Ish lechak sharim she'en hayavin alein. Kekesh la gemalim ou kekesh la sapanim. Ah. Ah, c'est-à-dire il a tenu la lachon d'en haut, c'est tout quoi. Comme s'il va expliquer, c'est quoi les... En fait, il revient sur ce qu'on a dit en haut. Pourquoi est-ce que les rachs salim, c'est quoi le principe, ça? C'est quoi le principe? Voilà. Quoi le principe? Kol keshen sheno shel kayama. Par rapport à ça. Voilà. Tu veux savoir, c'est quoi le principe? C'est quoi le principe où on n'est pas en Hayavin Alein? Oui, bon. C'est quoi le principe? Mais je te crois, après la deuxième réponse de tout ça, tu ne reviens pas à ce qu'il a dit lui. Je sais, mais c'est dur quand même. Tu sais quoi? Les deux réponses, elles sont des hokim. Là, tu as raison, mais Tosfot, il n'a pas le choix. À moins que tu dises, comme Tosfot Arosh, quand il a dit une Hayavin Alain, c'est l'Avdaf. Et là, c'est rien sur ce que lui, il a dit. Ok, Gamze Dahouk. D'accord. D'accord. Ok. Mais Shabbat Shelmi, il explique que ça revient sur Rabbi Meir. Quand Rabbi Meir, il a dit, Kolkesh Shou Yachol Leachiro Behat Miyadaw. En hayavin alaou. Moi, je ne comprends pas comme lui, parce que c'est marqué, parce que la Biouda, il a dit en hayavin, en hayavin alehem. Ça, c'est plus machma de la deuxième Mishnah. Dans la Mishnah de Rabbi Meir, oh, c'est marqué kol kesher. Comment il a dit Rabbi Meir? Kol kesher, shu yachol achiro b'ahat miyadav, en hayavin alaou. Donc, alaou. Mais c'est marqué en hayavin alaou. Et Shabbat Shelmi dit, ça revient sur ça. Et la Kavana, c'est de dire que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Uh-huh. Ouais, que lui, il pense que même si c'est Ahat Miyadaw, si maintenant il est Qayyam, ce serait Hayyam. Je crois que c'est ça la Kavana. C'est-à-dire que ça ne change pas avec Miyadahadou. L'essentiel, c'est Qayyam ou c'est le Qayyam. Exact. Ce serait ça. Bon. Ok. Mara. Hevel de Maï. Il est ma Hevel de Alma. Rabbi Yehuda Majir. Keshel Shel Kayama. Et moi, je dis de quel Hevel on parle. Si on parle d'un Hevel en général, une corde en général, comment ça se fait que Rabbi Yehuda il a autorisé c'est un Keshel Shel Kayama. Ce saut-là, il va attacher à une corde et va le laisser éternellement. Et la Hevel de Gardi. Seulement, on parle Hevel de Gardi, les Havalim, les cordes que les Tisraïs utilisent. Vous savez qu'ils avaient des cordes spéciales. Les membres de la banane, ça veut dire ça voudrait dire donc que Haramim sont Gozrim, Hevel de Gardi, à tout Hevel de Alma, et Rabbi Yehuda, ça va le Gazrinan. Et Rabbi Yehuda, il dit on n'est pas Gozer. Haramim interdit à filo Hevel de Gardi à cause de Hevel de Alma.
Et Rabbi Yehuda qui a autorisé, c'est parce qu'il n'est pas gozer. Demande à Gmara Omenu. C'est quoi Hebel de Gardi Rabbi? C'est une corde que les tisserands ils utilisent. Je ne sais pas exactement comment elle est, mais c'est ce qu'il faut retenir. C'est une corde quand même, c'est une corde. Non, c'est quand même une corde. Oui. Ce n'est pas du tout une ceinture, c'est une corde quand même. Oui. Olmino, c'est quoi Olmino? La question elle est la suivante. Ici, on est en train de voir que Hachamim, ils sont gozerim, et Rabbi Yehuda, il n'est pas gozer. Pourtant, Hevel, Delish et Nifsar, Loye Koshro, et là, on vaut. Si tu as une corde d'un seau qui s'est déchirée, attention, tu ne fais pas une kshira, mais tu fais une aniva. Ça veut dire que Hachamim, ils autorisent aniva. Ils ne vont pas dire si on te permet aniva, tu vas venir à faire une kshira. Rabbi Yehuda Omer Koleh Halav Punda Opiskiya, Obilvat Shiloya Anvenu. Rabbi Yehuda dit non. Tu enroules une punda Opiskiya, deux sortes de ceinture. D'accord? Tu prends la corde, les deux. Tu l'attaches, oui. Et tu l'attaches avec cette punda-là, ou bien cette piskiya. Que vous passez, moi. Exactement. Pourvu que Shiloya Anvenu. Voilà. Que tu ne fasses pas une aniva. Ça veut dire que lui, il ne veut pas que tu fasses un aniva. Pourquoi? Vraisemblablement, la raison, c'est parce que si je te permets aniva, tu vas venir à faire une kshira. Uh-huh. Alors, Rabbi Yehuda, cette fois-ci, les gozer, les hachamim, ils ne sont pas gozerim. Tashia de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda, kushia de Rabbanan, de Rabbanan. Ok. D'accord. Alors, de Rabbanan, de Rabbanan, la kashia, hevel be hevel, mihlif, aniva be kshira, la mihlifa. Hachamim, hachamim, pas de kushia. Parce que hevel de gardi, hevel de alma, on peut venir à intervertir. Pour ça, on est gozer. Mais Kshira et Aniva, c'est deux choses complètement différentes. Voilà. Là, tu ne vas pas venir autoriser l'autre. De Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda, la Kashia. Non, même Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il n'y a pas de Kushia. Atam, là, on mishum de Mihlifa, Aniva, Bikshira. Là, Rabbi Yehuda, il n'est pas Mahlif. Il n'y a pas, je suis gozer. Je ne suis pas gozer. C'est pourquoi j'autorise Hevel de Gardi. Je ne crains pas ce que tu viennes faire Hevel de Alma. Ah, pourquoi Kshira, j'ai interdit? Pas parce que j'ai peur que tu confondes avec une Kshira normale. Pourquoi Aniva, j'ai interdit? Pardon, peut-être que je me suis mal exprimé. Pourquoi Aniva, j'ai interdit? Pas parce que j'ai peur que tu viennes faire Kshira. C'est parce que la Aniva elle-même, pour moi, c'est une Kshira. Ah. La Aniva Goufa Kshira. Et... Mm. Ouais. C'est bien. Amar Biaba. Amar Priya Barashi Amarav. Revi Adam Hevel Mitor Beto. Un homme, il peut amener une corde de sa maison et il l'attache à la apara et dans le mangeoir. D'accord? Le evus ou be'evus. Et on ne craint pas que la tâche qu'il a faite va rester éternelle. C'est autorisé. Et j'y vais Rabbi Acha Aricha. Dieu Rabbi Acha bar papa le Rabbi Abba. Rabbi Acha, le long, qui est Rabbi Acha bar papa. Il a posé la question à Rabbi Abba, la question suivante. Hevel shebe evus koshro befara. Ve shebe fara koshro be evus. Si un hevel qui est dans le mangeoir, tu peux l'attacher à la para. Réciproquement, shebe para koshro be evus. Le hevel qui est sur la para, tu peux l'attacher au evus. Obilvat shelo yavi hevel mitor beto ve ikshor befara o be evus. Pourvu qu'il n'amène pas une corde exactement contre Rav. Exactement. Et là, il y avait Hevel Mitor Beto et qu'il attache à la para et au Evus. Kushia. Et pour Atam, Hevel de Alma, Acha Hevel de Gardi. La Braïta, elle parle Hevel de Alma. C'est pourquoi on ne peut pas attacher et la vache et le Evus. Tu risques de laisser un éternellement. D'accord? Par contre, Rav. Quand il a permis, Rav, quand il a permis, il a permis Hevel de Gardi. Lequel qu'on risque de le laisser éternellement? Celle de Evus ou celle de Para? Je ne sais pas. Moi, je crois celle de Evus ou comme tu veux. Hein, ça ne me dérange pas. Ou bien celle de Para. Ah bon? Ah bon? Pourquoi pas? Oui, tu as raison. Pourquoi pas? Pourquoi on ne laisse pas toujours... Comme ça, elle l'utilise tout le temps. Oui,
ثم ربي يودا سكوند très bien. Amar, alors avant de faire Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yehuda, pardon, Tosfot, Atam Hevel de Alma, Acha Hevel de Gardji, Vekamash Malan Rav, de Logazin Hevel de Gardji, Atu Hevel de Alma, ou Rabbi Yehuda. Ça veut dire quoi? Rav, il pense comme Rabbi Yehuda? Oui. Kamash Malan Rav. On n'est pas gozer Hevel de Gardji à cause du Hevel de Alma comme Hachami, mais la Lachal est comme Rabbi Yehuda. Les autres sont au courant ou pas, Benoît? Je leur ai dit. Ok. Et Nami. Khmis. Ma femme, elle m'a dit il faut donner ton vrai nom. Alors, Khmis. La fois, je l'ai ma Khmis Barhana. Oui, je sais. Ok. Amen. Amen. Alors, merci. Et Nami, deuxième réponse de Tosfot. Afilu Rabban al-Modu d'Afilu Behevel d'Alma l'Oshachia Shiyekesh Shikayamak Shikosho Befarao Bevouth. Olachil O'Gazur Behevel d'Egadi. L'Olam, je peux te dire que Rav, il pense comme Hachamim. Ah, Hachamim, ils sont Gozrim. Hevel de Gardji à tout Hevel de Alma, ils sont gozim ça dans le Dli. Mais dans le Hevous, même à Hevel de Alma, ce n'est pas habituel qu'on le laisse éternellement dans entre Yekoshan l'un et l'autre. C'est pourquoi Hevel de Gardji, même Hadabim, ils vont être d'accord dans ce cas-là que c'est autorisé. Ah. Voilà la deuxième réponse de Sot. Ah, mais Hevel de Gardji, c'est sûr que c'est autorisé. Non, mais Hachamim, ils ont interdit Hevel de Gardji à tout Hevel de Alma. Ah, ah. Voilà. D'accord. C'est ce qu'il veut gagner tout ça. Okay. Rav, il pense comme. Je peux te dire qu'il pense même comme Hachamim. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Kli Kiwai Mutal et Altelan Beshabbat. C'est quoi Kli Kiwai? Rachid dit c'est Kli Orgim, les ustensiles qu'utilisent les tisserands. Comme on a parlé des Hevel des Gardiens, on va parler un peu de tisserands là. On a le droit de les déplacer. Juste pour plaisanter. Kli Kiwai, Kiwai et Kia. Kia? Oui. Ok. Kli qu'on achète chez Ikea. Bon, allez. Alors, Kli Kiwai, Moutal et Altelan, Be Shabbat. D'accord? Mm-hmm. Pourquoi Rachid dit? Parce que le gardien n'est pas Makpid Alehem et ça ne s'appelle pas, selon Rachim, l'Achtan le Issour. On l'utilise aussi bien pour le tissage que pour autre chose. D'ailleurs, ça, on peut aussi l'utiliser pour autre chose, les khatila. Ça ne s'appelle pas klishem lachtol et issur et on pourra le déplacer. C'est ça le khidouche, selon Rachid. Mm-hmm. Je crois que Litva n'est pas d'accord, mais Rachid dit comme ça. Kli kiwai mutal et tatelan be shabbat. Baomine me rav Yehuda. Koved alion le koved atachton maou. On dirait koved alion et koved atachton, c'est aussi des ustensiles qu'on utilise dans le tissage. Il y a ces deux gros rouleaux. D'accord, là où il y a le tissage en bas, et en haut, c'est là où il y a les fils en chéti qui s'enroulent dans le covet d'un lion. On fait passer la balle et. Même pour la tahina, il y a ce covet d'un lion, le covet d'un lion. Tahina? Pour le tron et un qema. N'est-ce pas? Je ne me rappelle pas s'il y a ces mots-là. Covet d'un lion, covet d'un lion, je me rappelle. Ah, ok. Bon, en tout cas, ici, c'est de ça qu'on parle. Alors, dit la demande à Gmara, quel est le djinn Koved Alion et Koved de Tarton, Mao? In Velao, Vera Fiabide. C'est quoi la question? Quel est le rapport? Est-ce que ceux-là, on peut les déplacer ou pas? Bien qu'ils appartiennent à Klir Kiwai, puisqu'ils sont lourds, est-ce que c'est uniquement utilisé pour. Excusez-moi. C'est ça, non? C'est bon? Allô, oui. C'est bon ou pas? Une minute. Alors, Inwelao Vera Fiabide. C'est quoi Inwelao Vera Fiabide? Parfois il disait oui, parfois il disait non. Ça veut dire qu'en fait, Vera Fiabide, la réponse à cette question, elle était lâche dans sa main. Elle n'était pas claire. Je dois sortir et revenir. Vas-y. Oh là là. Itmar, Amar Abnahman Amar Shmuel, Klikiwai Mutal et Taltelam Beshabbat. Rabbino, juste une seconde parce que je ne t'entends pas.
À cause de ce téléphone-là, je n'entends plus. Il faut que je sors et je remets. D'accord, s'il te plaît. Vas-y. Ok, vite fait. Hein. On avance un petit peu. Itmar, Amar Amnahman Amar Shmuel, Klikiwai, Mutal et Tatelan Beshabat, Afilu Kobed Alion, Kobed Atahton, Avalo et Amoudim. Donc, Shmuel, clair, il a dit, Klikiwai, on peut les déplacer. Même Kovet Elyon et Kovet Tahton, on peut le déplacer. D'accord? Cependant, il y a ce qu'on appelle là-bas des Amoudim. Les Amoudim, ils sont comme ça, plantés au sol. D'accord? Là-bas, il y a Kovet Elyon et Kovet Tahton. Les Amoudim, quant à eux, alors dit Shmuel, non, on ne peut pas. On ne peut pas les déplacer. Amaler, Aval, Elam, Nahman, Maishna, Amoudim, Delo. Pourquoi l'amoudim c'est interdit, demande à Rav Nachman. Il m'a dit qu'avid gumod, puisque l'amoudim là où ils sont implantés, il y a des trous. Il met là qu'avian, mais les trous ils sont faits de par eux-mêmes, ils sont déjà faits. Il met là qu'avian, d'accord, puisque lui il le retire, mais les trous ils sont déjà là. Détnan, atomen lefet usnonot tahat gefen. On avait déjà vu cet enseignement là plus haut, celui qui cache un radis, un navet ou un radis sous une vigne. Si un peu de aline, de feuilles qui sont découvertes pour que je puisse les faire sortir pendant Shabbat. Le besoin d'avoir dit ça, c'est pour Shabbat, comme il dit Rashi. Que si c'est entièrement enfui, comment je vais le prendre? Il faut que je creuse. Donc, il n'y a ni un problème de kilaim, ni un problème de l'homme mishum shevirit. Il n'y a ni un problème de shmita, d'accord? Velo mishum maaser, ni un problème de maaser. Venitalin beshabbat. Ok. J'avançais un petit peu. Hein. Venitalin beshabbat, basade. Alors, ça veut dire que le Tana nous dit que si tu enfonces un lefet ou un snon sous une vigne, il n'y a ni un problème de kilaim avec la vigne. Ni un problème, c'est-à-dire que ça ne s'appelle pas planter, ni un problème de juvéite, soi-disant c'est un fruit de la juvéite, s'il a fait ça pendant la juvéite. Mais l'homme Michouma Aser, il n'y a ni un problème de je dois prélever maintenant sur le navet que j'ai planté, comme si c'est une nouvelle pousse. Et on peut les récupérer pendant le Shabbat, et on s'en fiche de la gouma qui a été déjà faite. Venital, be Shabbat, be Sade. Point. Venital, be Shabbat. Point. Comme ça, il faut dire. Répond la Gemara, Besade lo atil ashbui gumot, acha bebait atil ashbui gumot. Pourquoi le navet, ce n'est pas un problème, parce que c'est dans les champs. Dans les champs, tu ne vas pas venir à égaliser les trous. Mais dans la maison, là où il faut implanter l'armodim, pourquoi je ne t'autorise pas de peur que tu viennes à égaliser les trous? Parce qu'à la maison, tu vas être plus marpide et tu risques d'égaliser les trous. Ouais. Oui, c'est-à-dire pour Bassadé, qu'ils soient des gomotes ou pas, ils s'en fichent. Voilà. Très bien. Bah, Amina, Rabbi Yohanan, mais Rabbi Yehuda, Barliwai. Kli, Kiwai, Kigon, Kovet, Elon, Kovet, Atarton, Maoul, et Taltelan, Bishabbat. Là, c'est Rabbi Yohanan qui pose la question à Rabbi Yehuda, Barliwai. Kelly, Jin, Kovet, Elon, Kovet, Atarton. Alors, Bishabbat, Amale, In, Emetatelin. Mataam. Les fichiers métal télé. Il lui a dit on ne déplace pas. Et la raison pourquoi? C'est quoi la raison?
Il lui a dit parce qu'on ne déplace pas. C'est quoi la raison? Il explique Rashi, les filles, elles mettent av behol mi penekovdan. Même dans leur hall, on ne les déplace pas parce qu'ils sont lourds. Et le car, comme l'artan, les car. C'est la raison pour laquelle leur, toute leur utilisation, c'est que pour la hariga. C'est-à-dire que finalement, Covid Elion, Covid Arton, on a vu trois déhantes. Rav Yuda, Inuela, Vera Fiabide, Shmuel qui a autorisé, et Rav Yuda Baliwaïa qui l'a interdit sous prétexte que c'est un kli, Shem Larto, les Issour, étant donné que leur poids nous empêche de faire une autre utilisation. Donc on le réserve que pour le tissage. Wow. Madnitin. Oh, Jonathan, t'es où toi? Où tu es en vacances? Canet, ça s'appelle. À côté de Cannes. Parce qu'il fait déjà noir. Canet. Chez toi. Il fait, ah oui, il fait noir, déjà obscur. Ça y est, t'as bronzé en 2-3 jours, même pas. Ouais. Eh bien, les nouvelles Mishnah. Ah, il fait jour à Paris, là, non? Il fait jour à Paris? Bon. Si on éteint la lumière, on voit encore bien. Ah, bon. Madnijin, bon, à part les nuages. Madnijin, Mekaplin et Takelim, Filo Arba, Wahamisha, Peamim. Oh là là. Tu as un problème, Amos? Amos? Mekaplin et Takelim, Filo Arba, Wahamisha, Peamim. Ça veut dire qu'on peut plier un vêtement pendant Shabbat, même 4 ou 5 fois. C'est de quoi même 4 ou 5 fois? On peut expliquer de deux manières, ou bien tu expliques, tu plies le vêtement 4, 1 pli, 2 plis, 3 plis, 4 plis, 5 plis, ouais. 5 plis, 5 plis, ouais. On peut le plier donc plusieurs fois, d'accord? Ou bien, on peut expliquer, il a plié une fois, ça ne lui a pas plu. Il veut refaire une deuxième fois. Ça ne lui a pas plu, il déplie, il replie. Et plusieurs fois comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, il est le problème. Ah, on va voir tout de suite. Mais Kaplim et Takelim, Afil al-Ba'a wa Hamisha Peramim. Alors pourquoi en fait, lui, il le plie? Pourquoi? Il va le remettre tout à l'heure au Shabbat, tout à l'heure ou le lendemain, le vendredi soir, il le plie pour le lendemain. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être ici un problème de Metaken Mana. Regarde la chie. Alors, je lis Rashi ici, c'est important, hein, parce qu'on va, après, on fera une hara par rapport à ce qui est écrit le tour Shulchan Aruch. Mekaplim et Takelim, Begadim, Begadim, Keshepochtan, les vêtements, quand il les enlève, Mekaplan, il les plie, Nipenech et Mitrakrim, Mikiboussam. Une fois qu'il les a lavés, les vêtements deviennent plus rares, tendres. Et donc, s'il les plie pas, Mitkamchin, Keshenam, Mekupalim. Quand il les plie pas, il les laisse comme ça, tel quel, alors mitkamtin, ils vont être. Ils vont. Froissés. Froissés, exactement. Ils vont se froisser. Donc il va être mitakan quelque part. Alors bon. On le dit, monsieur Mekapli, mitakan. Après, on verra dans la Mishnah des tnaïm, des conditions, quand est-ce que oui et quand est-ce que non. Plutôt quand est-ce que oui. Point. Deuxième djinn. Donc, monsieur Mekapli, mana alors. Je ne sais pas, on dirait. On verra dans la Gemara. Bah. Hein? Oui, bizarre, oui. Regarde le premier Rashi de la Gemara. Le premier Rashi. Bishne bne Adam. Kishé mkaplin ota mitpashtim kimteem kmateem venirin kimtaknin. Kimtaknin. Oui. Ouais, donc il y a un problème de nire kimtaknin. D'accord? Alors, on met serin et amitot, milele shabbat le shabbat. On peut dresser les lits la nuit de Shabbat, les lits où là où on mange, de la nuit de Shabbat pour le lendemain. Avalom et Shabbat, les Mosa et Shabbat. Tu ne peux pas arranger les bancs de Mosa, pour Mosa et Shabbat. Rabbi Ishmael Omer, Mekaplim et Akelin, Masein et Amitot, Miyom Akipurim et Shabbat. On peut plier les vêtements, on peut. Comment dire, arranger les lits de Yom Kippour à Shabbat. Yom Kippour à Shabbat, tu peux. Yom Kippour, c'est les jeudis, c'est bon peut-être. Vendredi, si Yom Kippour c'est vendredi, pas si c'était vendredi. Ça peut être. Aujourd'hui, non, mais à l'époque, oui.
Ah bon? C'est quoi le problème? Les Hadjim, les Hadjim. Non, mais ce n'est Shabbatot, ce n'est Shabbatot. Ouais, nous, la Hakamim, ils veulent faire en sorte que non. Notre calendrier aujourd'hui, ça ne tombe jamais. D'accord? Ah oui. Mais en théorie, il n'y a pas de raison. C'est vrai. Très bien. Miyom Akipurim, les Shabbat, on peut. Mais Helvé Shabbat, quand il y a Miyom Akipurim, les graisses de Shabbat, si Miyom Kippur, c'est Mosaï Shabbat, on pourra les brûler Mosaï Shabbat. Et Yom Kippour. Avalo, c'est Yom Kippour et Shabbat. Mais à l'envers, non. Ceux d'Yom Kippour, on ne peut pas les brûler Shabbat. Comme si Shabbat, c'est au-dessus de Yom Kippour. Selon Rabbi Ishmael. Selon Rabbi Akiva, non. Égalité. Rabbi Akiva, on met l'eau sur Shabbat, qui est Yom Kippour. Mais l'eau sur Yom Kippour, qui est Shabbat. Donc, de la Mishnah, on a vu qu'on ne peut pas plier des vêtements. Shabbat pour Mosaï Shabbat. Oui. Alors, de soit, après de là, Mikan Lamadnu, de Asur, le Kapel, Talitot, chez Bet Knesset, le Fishem, Solech Maha. Heureusement qu'il a parlé de ça, parce que j'allais parler de ça. De là, on a appris, dit de soit, qu'on n'a pas le droit de plier les Talit de la Bet Knesset, de la synagogue. Donc, il y avait déjà des Talitot chez Bet Knesset. Les Fishem, Solech Maha, puisque on les utilise, on les plie pour le dimanche, pour le lendemain. Et donc, on est en train de plier pour le lendemain, c'est un problème. Ouais. Et les Ashkenaz qu'ils mettent pour Mincha, pour Mincha, il n'y a pas de souci. J'ai vu à la synagogue de la Rose qu'ils mettaient le Talit à Mincha. Certains d'entre eux mettaient le Talit à Mincha. Oui. Alors, je me suis dit que peut-être la Kavana, c'est pour être Marbe Bebrachot le jour de Shabbat. Alors, je vais me demander là-bas un Hacham qui s'appelle Kil'av, Rav Kil'av, Shemla, et il m'a dit comme ça c'est écrit dans le Ben Ishaï. Je n'ai pas été vérifié. Et voilà, et donc ils mettent pour être Merabé Bebrachot. Oui, les Sfaradim, quand ils montent à la Torah, Menha par exemple, on leur donne un talit pour monter. Ils ne montent jamais sans talit. Oui? Oui, oui. À Londres, l'Espagne portugais, quand quelqu'un il monte à la Torah, le shamash il vient, il le donne un talit, il met le talit, il monte à la Torah. Très bien. Pour Mincha. Mais Mani, c'est quoi le hédère alors pour le talit pendant Shabbat? Ah? C'est quoi alors la raison pour laquelle aujourd'hui on prépare le talit? On peut prier le talit pour Shabbat, du Shabbat pour Rol? On n'a pas de raison, on peut prier pour le Rol. Plier. On peut plier pour le Rol. Il n'y a pas un Brit Yonah qui dit qu'on a le droit de plier même à l'endroit? Pour le Hall, tu parles, ou pour le Shabbat prochain? Mais ce sont les mots de Talit. Après, on verra. Yashan, pas Yashan, on verra dans la Gemara. Mais bon, c'est un Dion, tu as raison. C'est un Dion à Postrim Bémet. Gemara, on y va. Amre de Bera Bianai. Lo Shano Ela Be Adam Ehad. Aval Bishne Bene Adam. Ce qu'on a autorisé dans la Mishnah de plier, c'est uniquement une personne toute seule. Parce que ce n'est pas un vrai tikkun qu'il va faire. Mais lorsque c'est deux personnes où il étend bien les plis, d'accord, et quand c'est froissé un petit peu, c'est bien étendu, là, c'est nir eyotel kemtaken et c'est interdit. Et quand on a dit Adam Echad, vous voyez que c'est autorisé, c'est uniquement lorsqu'ils sont neufs. Le pli, il est bien. Non, le vêtement, il est neuf. Le vêtement, il est neuf. Mais si c'est Yeshanim, si le vêtement est vieux, non. Alors, on dirait que quand le vêtement est vieux, les plis, c'est plus froissé. Et donc, oui, tu ne peux pas le faire bien. Alors, c'est quoi vieux et c'est quoi neuf? C'est quoi vieux et c'est quoi neuf? Moi, j'aurais dit, selon le chiffre que je vous ai lu dans la Mishnah, l'apparence du vêtement. Même s'il a déjà été lavé quelques fois, ça, deux, trois fois, ça ne veut pas dire qu'il est vieux. Il reste neuf, d'accord? Après un bon moment, on voit qu'il s'est bien sali. Et Nachanami, ça s'appelle que tu l'as lavé, etc. Je ne sais pas, il faut définir la durée. Hein. Ça s'appellerait vieux. Mais tous les Shulchan Aruch, les deux, ils disent non. Ils disent que dès l'instant où tu l'as lavé une fois, ça s'appelle qu'il est
Yachan. Et selon ça, Rachid n'est pas d'accord avec eux dans la Mishnah. Parce que Rachid explique la Mishnah. Mekaplim et Akelim. Begadim, Keshepochtan. Mekaplan, Mipeneshim, Trap, Krim, Mikibusam. À moins qu'on dise que Rachid ne parle pas, il n'explique pas la Mishnah, le héter de la Mishnah. Il explique juste pourquoi on vient à plier un vêtement. Parce que quand, en général, il vient plier, parce que quand il se lave, il devient plus fragile, on viendrait à le plier. D'accord ? Mais il n'est pas en train d'expliquer que c'est de ça que la Mishnah elle parle, ce qui est un peu d'oha. D'accord ? Donc, selon le pirouge de Shulchan Aruch, ça sortirait a priori que la Shilah Halak, avant qu'on fasse d'oha, qu'on vient de faire. Je continue. Vechadashim, nami, lo amran, et la belevanim. Quand on a autorisé les hadashim, c'est uniquement les vêtements blancs. Aval bisvoim, mais les vêtements colorés, la canirée, je ne sais pas pourquoi, ça arrangerait mieux les coloris, ouais, quand tu fais un pli. Bon, j'ai un peu de mal à comprendre. Il y a une sorte de. Il y a une mesoute comme ça. Mais lo amran, et la chien, lo la hlif. Est-ce qu'on a autorisé? C'est uniquement parce que si je n'ai pas d'autres vêtements, mais si j'ai d'autres vêtements, tu n'as pas à faire des plis, laisse tomber. Là, même toi tout seul faire un vêtement blanc, je ne t'autorise pas. Alors, tout soit qu'il est dan, quel est le djinn si maintenant j'ai un autre vêtement, mais c'est un vêtement de hall, ce n'est pas un beau vêtement de Shabbat. Que ça s'appelle j'ai pas de vêtements ou ça s'appelle j'ai un vêtement. Alors regardez tout ce vote. Avale sholeh halif lo, vela nous shiyeshtanu la halif asur. À nous qu'on a de quoi se changer, c'est interdit, dit tout ce vote. On mistapek ri, ri a le doute suivant. Ikare yeshlo la halif ke shen lo yafe kaze. Il n'a pas un beau vêtement comme celui-là, ce qui s'appelle yeshlo la halif, il est resté des affaires. Il y a un Charles Asioun, je crois, qui parle sur ça. Bon. Donc, quand il y a l'ahlif, ou quand il y a l'ahlif, c'est de ça qu'on parle, que c'est permis. Quand il y a l'ahlif, c'est moutard. Ah, voilà. Normal, c'est normal. Voilà. D'accord. Très bien. Tana, chez le bête Rabban Gamliel, lo ayoum mekaplim kli lavan chez la haine. Attends, laisse-moi, je finis. Tana Shilbet Rabban Gamliel, on enseigne une braïta, la maison de Rabban Gamliel, lo ayoum mekaplim kli lavan shelahem, kol shekem sivronim, mipene shelahem lahalif. Étonné qu'ils ont de quoi se changer, ils ne pliaient pas leurs vêtements. Je t'écoute, Amos. Oui, c'est vrai. Moi, je dis, mais il y a une logique aussi qu'il dit. C'est là où c'est assur. C'est ça, c'est juste. Hein? C'est juste. Attends. C'est-à-dire, le fait qu'ils se l'ont l'ahlif, c'est pas la peine de les plier. Chazak ou Baruch. Très bien. Wow. J'avais une logique à part, mais. Il n'est pas rentré. Bon. C'est ça, c'est ce que tu dis. Oui. Mais. Ouais. Bon. Mais le lahlif mouta. Mais le lahlif. Justement. Le lahlif, j'aurais pu dire assour. Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment tes comptes. T'exagères. Allez, fais. Non, t'exagères pas. Justement, bémette. T'exagères pas. C'est ça le tikkun. Si je te l'ai, c'est pas tikkun. Arrête. Pourquoi c'est pas tikkun? Si je comprends pas. Ok. Ça se marre à ce que tu dis du Mubarak dans ma série de Bessa. Aïe. Allez, on avance. Allez. Amar Avuna, Imi Eshlo le Ahlif. Yahlif. Si Shabbat, il a de quoi se changer pour avoir des meilleurs vêtements. Ceux du hall, eh bien, qui se changent pour l'honneur du Shabbat. Voilà. Si maintenant le bonhomme, il a qu'un seul vêtement. Alors, celui qui l'a mis le hall, il va le mettre aussi Shabbat. Alors, on lui dit, écoute, il fait tomber ses vêtements vers le sol, comme ça, comme un signe de richesse.
D'accord. Bon, c'était des, à l'époque, ils avaient pas des vêtements comme nous, ils sont bien comme ça contre le corps. C'était plutôt comme des draps. D'accord. Donc, ils pouvaient traîner au sol. Donc, Shabbat, il fera ça. Matrifla, Rav Safra, va mitraze kalamotroha. Rav Safra, il dit, c'est quoi ça? S'il fait ainsi, on dirait un orgueilleux. Et pour la Gemara, qui voit des kolyuma lokavid, va aider au dikavid, l'homme mitraze kalamotroha. Puisque jamais il fait ça que pour le Shabbat. On ne voit pas ici un signe d'orgueil. Il fait ça pour l'honneur du Shabbat. C'est marqué dans le Navi. Il t'achive mi Shabbat l'arlecha. Asot hafasecha beyom kotchi. Vekarat ala Shabbat oner. Lirdosh Adonai mekubad. Vekibbad to me asot derachecha. Mimeso hefsecha vedaber davar az. C'est un agré à Hachem. Oui, la chatique de la chakavicha. Alors, la Gemara va être ce passage. Le chibba de to, mais à sot de la chécha. C'est quoi le chibba de to? Tu l'honoras, comment on honore le Shabbat? C'est l'oye malbouche rachel Shabbat, qui malbouche rachel hol. Le malbouche de Shabbat, il ne doit pas être comme le malbouche du hol. Les vêtements, c'est un signe d'honneur. Tu honores le Shabbat en mettant des beaux vêtements pour le Shabbat. Comme ce que Rabbi Yohanan nous dit, Kare limana limane mechabdutai. Il appelait ses vêtements, ses mechabdutai, ses objets qu'il honore. Quoi? Mais à son de la chécha, Sheloye ilukhacha shel Shabbat ki ilukhacha shel hol. Il ne faut pas que ta marche du Shabbat soit comme ta marche du hall. C'est ça, mais à sauter des rachecha. Faire tes chemins. On parle de la marche. De quoi on parle, on verra dans la suite de la Gemara. Mimeso hefsecha. Trouver à faire tes besoins. Hefsecha asurim. Hefsecha jamaï mutari. Tes hafasim à toi, c'est interdit. Mais les objets du ciel, c'est permis. Comme quoi? Kegon poskim sdaka umshadkhin al tinokot liares. D'accord, comme on a vu aussi dans le Daf Yudbet, comme ça il rapporte Gilion Hachas. Poskim sdaka, pendant Shabbat on peut le faire. D'accord, parce que ça s'appelle Hefse Shamaim. Mais d'abord davar, c'est quoi d'abord davar? C'est l'oye djibur khashel Shabbat, qui djibur khashel hol. Il ne faut pas que ta parole de Shabbat soit comme celle du hall. De quoi on parle? Explique Rashi, qui par exemple, le commerce, des paroles de commerce, mais hejbonot, des calculs. Oui. Soit il n'est pas d'accord avec ce pirouche-là. Il dit ça, c'est en ira les rabbinotam. Ça rentre dans mimeso hefsecha. Oui. On peut répondre pour Rashi. Et là, Omer rabbinotam, qui dit Amar beveyikra rabba. Rabbi Shimon ben Yochai Awale Emma Savta. Rabbi Shimon ben Yochai avait une mère vieille, une grand-mère. Deawat, où il y avait une grand-mère. Deawat Mishtaya Sagi. Elle parlait beaucoup pendant Shabbat aussi. Amala Emma Shabta. Emma Shabbatao. Emma, c'est Shabbat. Shatka. Elle s'est tue. Majma, Shen, Kolkach, les Daber, Beshabbat, Kemobehol. Il ne faut pas parler beaucoup Shabbat comme tu parles dans le Hol. Hidouche. Pourquoi Behemet? Hashim rapporte, Masha, qu'il y a car aussi dans Yitro, je crois. Là-bas, il dit que Akadosh Baruch, il a créé le monde avec la parole, non? Bidvar Hashem, Shamaim Naasu. Oui. Donc le repos, c'est le repos de la parole. Bien que c'est Hachem, nous on va pas se taire complètement, mais on exprime quand même nous aussi un repos de la parole, comme Hachem l'a fait le jour du Shabbat. Birushalmi amrinan, betora hitiru beshelat shalom beshabbat. Mais nous fait le contraire. Fais Shabbat, et quand on fait Shabbat, nous savons nous rejoignons le coup de calme. Docteur Abetorah, difficilement ils ont autorisé Shalat Shalom Shabbat. Incroyable. On continue. Alors, Dibur Asur,
comment se marquer d'abord d'avoir. Dibour asur, iror mutar. Parler des choses, comme Rashi ou Tosfot t'ont expliqué. Ouais. Selon Tosfot, c'est un peu plus compliqué de comprendre cette phrase-là. Dibour, c'est interdit. Donc, selon Rashi, Mekahmemkar, tu n'as pas le droit de parler. Mais Irur, c'est autorisé. D'accord ? Selon Tosfot, tu peux réfléchir comment il faut comprendre ça. Il va être d'accord avec Rashi, on va dire. Bishlama kolo lehaye, tous, je les ai compris, dit le Lagmara. Et là, il y a l'ilukhacha chez le Shabbat qui est l'ilukhacha chez le Hol. Maïhi, c'est quoi? C'est quoi la marche du Shabbat qui doit être différente de celle du Hol? Qui a de Amaravuna Amarav. Ou Amrela Amarabiaba Amaravuna. Ayam et Alech, Bishabbat, ou Faga, Behamat Amaï. Alors, quelqu'un qui marchait Shabbat dans la route et il rencontre Amat Amaï, un petit cours d'eau. אם יכול להניח את רגלו ראשונה קודם שתי עקר שנייה, מותר. ואם לא אסור. Alors, je vous dis ce que moi j'aurais compris, mais je vais vous rapporter ce que Rashi explique par la suite. Moi j'aurais dit, la Kavana, c'est si tu arrives à mettre ton autre pied de l'autre côté du cours d'eau et tu n'as pas encore arraché ton pied qui est du premier côté du cours d'eau, alors, tu as le droit, moutard, c'est bon, tu peux enjamber comme ça. Tu peux faire comme ça, hop. Sinon, c'est interdit. Si tu ne peux pas, tu fais pas, tu enjambes pas, tu ne sautes pas, tu fais le tour. D'accord? Ce serait ça l'enseignement de Ravuna. Seulement, Rashi ne dit pas ça. Rashi dit moutard afledaleg. Si tu peux enjamber, tu peux même sauter. Et si tu ne peux pas enjamber, même sauter, tu ne peux pas. D'accord ? Et c'est-à-dire la rien pourquoi Rashi se sentit obligé d'expliquer de cette manière-là. Ce Rashi-là, c'est-à-dire il faut être rien. Troisième Rashi, vous voyez, du Hamoud Moutar, Af les Daler. D'accord ? On dirait que c'est ça, ce Kabbalah. Matkif la Rava, Rava, Echili Avid. Rava, il dit, je ne comprends pas, c'est quoi cette histoire-là ? Alors, imaginons que c'est le cours d'eau, il est trop large. Comment il doit faire? L'Iqaf. Mais ça serait quoi le problème, Manu? Ah, ah quoi, le problème? Pas, il ne doit pas sauter Shabbat. Chez l'Oye, il nous chachache le Shabbat qui nous chachache le Hol. Ah oui, d'accord, mais si c'est Refté Shamaïm. La même chose, pourquoi ça serait différent de ce qu'on a dit? Qui a parlé de Refté Shamaïm ici? On ne parle pas de Refté Shamaïm. Non, mais en bas de la page. Il marche pour se promener, le bonhomme. Ah, pour se promener, ok. Au jardin de Belvédère le Shabbat quand même. Ah? Je lui dis, tu ne vas pas faire de footing au jardin de Belvédère le Shabbat. Très bien. Alors, Matrif la Rava, Echil Yavid, Likaf, si tu veux qu'il contourne, ça m'affiche Bilucha, là aussi il se fatigue. Il fait une longue marche. Alors, Li'avar, qui traverse le cours d'eau lui-même. Zimnin de Mitwessan Mané. Parfois, ses habits vont s'imbiber d'eau. Va-t-il aider Shrita? Il va venir à faire Shrita. Et là, Béa, qui va de l'Oefchal, Shapur Dami. Là, Béa dit à Rava, puisque ce n'est pas possible, il n'y a aucun problème. Tu peux enjamber ou tu peux sauter selon la chie, je ne sais pas. Shapur Dami, il n'y a pas de souci. Alors, c'est quoi le problème chez l'œil? Il nous chacha chez le Shabbat, il nous chacha chez le Hol, de quoi on parle? Et là, comme a demandé Rabbi à Rabbi Ishmael, est-ce que Shabbat, on a le droit de faire des grands pas? Est-ce qu'on transgresse Mishum et Asod et Rachecha? Plus un pas plus d'une ama, ça s'appelle Psiagasa. Que c'est A normal, c'est Ama. Ouais. Amale, Vechi Behol Miotara. Elle dit, tu n'as pas le droit. Et même le Hol, ce n'est pas autorisé. Pourquoi? Chani Omel, Psiagasa, Notel, Tehad, Mihamesh, Mehot, Mimor, Aina, ou chez Adam. Ah. Madele, Bekidusha, Debeshimche. Parce que moi, je pense que quand tu fais Psiagasa, ça enlève la lumière, la. Lumineux,
la vue, ça diminue, ça affaiblit la vue d'une personne. Ça lui enlève un 500e, à chaque fois un 500e de ce qui reste. Et il les récupère, Birkidusha de Beshimche, alors qu'il douche, qu'il boit le vendredi soir, qui disent qu'il met le vin dans les yeux, à l'intérieur et à l'extérieur. Il y en a qui disent qu'il faut voir les nerfs, d'accord ? Nerfs, c'est 250, deux fois nerfs, ça fait 500. Ouais. Ou Archeïe, Birkidusha de Beshimche, il les récupère. Point. Alors maintenant, il y a une question qui se pose dans la Gemara. Finalement, si même dans le hall c'est interdit, alors c'est quoi chez l'oyei l'ukhacha shel Shabbat qui est l'ukhacha shel hall? On revient à la même question. Alors j'ai vu le Ritba, il répond et dit que celui de Shabbat, si tu fais psiragasa, tu récupères pas. Ça se récupère pas. C'est le hall qui se récupère avec le kiddusha de Beshimche. Mais pas celui de Shabbat. L'Abdallah ne fait rien, quoi. Il ne parle pas de l'Abdallah ici, on parle de Kiddusha de Beshimche. Oui, oui. D'accord. Voilà une réponse de Ritba. Et Macha aussi, il propose une réponse à ça. Bah, Miné, Rabbi, Merabi, ça veut dire que finalement dans le Chol, c'est Mouta ou c'est Assour? C'est ça qui... Apparemment, c'est pas bien de le faire, mais moins ils pourront rattraper. C'est sûr, c'est sourd, mais c'est récupérable. Et donc, finalement, la différence, c'est quoi? C'est que pendant le Chol, il peut faire des grands pas, et pendant le Shabbat, il peut faire des grands pas. Il peut récupérer. Shabbat, tu ne peux pas. Et si tu le fais, tu ne peux pas le récupérer. Top. Ce n'est pas très clair. Ça veut dire, tu ne m'expliques pas la différence entre le Hilour qu'il a pendant Shabbat et le Hilour qu'il a pendant Shabbat. Selon le Ritba, il n'y a pas de différence dans la marche des deux saints. C'est juste dans la Refoua qu'il y a le problème. Ouais, c'est mais tu as raison, ta remarque, elle est bonne, elle reste bonne. Bah, Miné, Rabbi, Merabi, Ishmael, Berabi aussi. Maoule, Chol, Adama, Beshabbat. Est-ce qu'on peut manger de la terre, de l'argile? Est-ce qu'il y a un problème de si tu lui permets, il va venir à écraser l'argile et donc il y aura Shrikat Samemanim. Il y aura un problème de Shrikat Samemanim. Comme on a interdit les refouot en général. Ça, c'est la question que Rabbi a posée à Rabbi Ishmael de Rabbi aussi. Amale Vechi Behol, Miutar, qui l'a autorisé même le Hol. Moi, j'interdis qu'on mange de la terre, de l'argile, même le hol, parce que je considère que ça fait du mal, malqué. Ça amène la maladie. Ça rend malade. Amar Rabbi Ami, quand la ochel me flash el babel, qui est le ochel mi basar, pardon, mi besar avotav. Rabbi Ami dit tout celui qui mange du rafab de Babel, c'est comme si qu'il mange de la chair de ses ancêtres. Pourquoi? Rashi dit Shemet Usham Bagola. Les ancêtres, ils sont morts là-bas, Bagola. Ce n'est pas bien organisé, bien enterré, etc. Et donc, quand tu manges à terre, tu peux manger un peu de tes ancêtres à Deshalom. Voyez, Jambrim, qui est le Ochel Shkassim on Massim. Il y en a qui disent que si tu manges de la terre de Babel, c'est comme si tu manges Shkassim on Massim. On verra pourquoi. Dirtiv, voyez, et kol haikum. C'est ma grande Torah, quand je vais au moment du Maboul, il a tout et a déanti. Voyez, et kol haikum. Où est Amar et Shlakish? C'est le but de dire où est Amar. Là, Manikra Shma Shinar. Pourquoi Babel, elle s'appelle Shinar? Chez Kol, mettez Maboul, Nenaru le Sham. Tous les morts de Maboul, donc les crustacés, toutes les sortes de bêtes, eh bien, Nenaru le Sham, ils ont été renvoyés là-bas. ואמר רבי יוחנן למה נקרא שמה? למה נקרא שמה מסולה? כל הפלא מסולה. שכל מתי מבול הסתללו לשם. כל הפלא מסולה, דן זכריה. פסקו כל מתי מבול, תו למור דו מבול, הביאה נסתללו לשם. אילזון שווירי לבא, אילזון עצרי לבא. Quoi? Demande à Gmara, tu m'as dit, Yeshomrim, qui est le Ochel Shkassim ou le Massim. Demande à Gmara, je ne comprends pas. Mais les Shkassim ou le Massim, eh bien, ils ne sont pas devenus du Afar.
ils ont complètement fondu, plus rien du tout. Yima. Ouais. Donc, itmahou ya itmahou. D'accord. Amre, kiwan de marke gazrubera bana. En fait, la Gemara dit, ou bien elle, il faut dire, puisque Malqué, comme il a dit en Rabbi Shmuel ben Rabbi aussi, puisque il est Malqué, puisque ça peut faire du mal, alors Hachamim l'ont interdit de le manger. Mais ce n'est pas vraiment Mitam Shkassim ou Massim. Ils ont interdit de la même manière que c'est interdit Shkassim ou Massim. Mais en fait, ce n'est pas ce que tu manges Shkassim ou Massim, c'est parce que ça te fait du mal. Déa, à Ougavra, d'ailleurs, le Gemara rapporte l'histoire suivante. Il y avait un homme d'Achal Gargishta, un homme qui a mangé de la terre. V'Achal Tahle, après il a mangé du Shalaim, du cresson. V'Qad Hule Tahle, Belibé, Omi. Et ça a planté là-bas. Les graines qu'il a mangées, ils ont été plantées dans la terre qu'il a consommée. Et ça a poussé, ça a grandi. Et ça a percé son cœur. Et il est mort. Oh là là. Voilà, quand quelqu'un mange de la terre, c'est que ça peut faire. Alors, je me suis posé la question, selon cette explication-là, hein, pourquoi la Gemara a dit qu'on parle de Babel. Je reprends. Amar Abiyami, kol ha'ochel me'efrash et Babel, keilu ochel mi'besar avotar. Ou yeshomlim, keilu ochel shkassim ul masim. Donc, on parle de Babel. À moins qu'on dise que le yeshomlim, il dit pas Babel. Mais là, pas tout, c'est qu'il dit Babel. Et s'il dit Babel, pourquoi Davka sud Babel, quoi, la terre de Babel, elle est spéciale. C'est elle qui permet de pousser, j'en sais rien. Donc, ou bien on dit ce que je viens de dire, ou bien on dit, ben, il ne faut pas dire Babel dans la deuxième version, dans le Yeshomri. Très bien. On continue. Tu sais que quand ils ont essayé de faire le métro en Israël, c'était pas facile. Tu sais pourquoi? Parce que la terre d'Israël, ils étaient Raka, Bémen. C'est pas comme ici. Ici, ils ont pu faire le métro, mais Israël, je ne sais pas comment ils ont fait maintenant, mais ils ont dit que ce n'est pas facile de faire le métro parce que la terre d'Israël est raca, ce n'est pas celui possible. Donc, il y a peut-être une différence. D'accord. Ouais. Il y a une Mara qui dit un peu le contraire. Bon, après, peut-être ça dépend des terres. La Gemara dans Ein Gimel Amud Sheni, la Gemara dit Azoreya veHoresh Mikde Mikrav Karbe Beresha Litni Horesh Vada Litni Azoreya. Et la Gemara répond Tana Ber Israel Kaid Israel Beresha Vada Karbe. Pourquoi? Oui. Rashi dit Ber Israel Kashai. Bon. Ok, merci. Peut-être le contraire alors. Ils n'ont pas pu faire le métro parce que c'est Kacha, ils peuvent pas non, faire. Et peut-être la couche intérieure, elle est tendre, et la couche supérieure, elle est dure, peut-être, je ne sais pas. Ok. Alors. Ok. On continue. Alors, Naomi, elle a dit à Ruth, « Verahast, vasacht, vesam tsimlotaych alayh, veyarad tagorem, d'accord, on va voir Boaz. D'accord. Donc elle dit, lave-toi, oint-toi, mets tes vêtements. Amar Abil Azar, Elou Bradim Shel Shabbat. C'est ça la connexion avec la Soubia. Elou Bradim Shel Shabbat. Ce sont les vêtements de Shabbat. Il faut qu'il attende. Si ça mangeait, hein. Il faut qu'il attende jusqu'à qu'il finisse à manger. Voilà. Parce que sinon, il va attraper un crise cardiaque. D'accord. Alors, Rashi dit Simlotaïr Vechi Aruma Haïta. Hélas, Malot Miyuhadot Vehino de Shabbat. Ah, j'ai pas compris pourquoi Rashi a dit Vechi Aruma Haïta. C'est vrai. Bah, puisque Rahast, on te demande de te laver. Vesart, c'est normal après je dis Vesam Timlotaïr, non? Oui, Rahast, Peter Yadaïm Opanim.
Très bien, alors je peux, on peut peut-être la Chine a compris qu'on parle de la Hissat Yada Pana Velarla. Bon, difficile. Moi, je n'aurais pas expliqué comme la Chine a dit. J'aurais dit que. J'aurais dit c'est normal qu'elle va mettre ses vêtements. C'est quoi, Sam? Quoi, tu veux qu'elle aille nue? Je sais qu'il faut mettre mes vêtements. Hazak ou Barour. Non, on parle des vêtements spéciaux, ce Shabbat. Comme ça, moi, j'aurais dit. Bon. Ten haqam ve yahkam od. Donne au haqam ve yahkam od et lui, il rajoutera dans la chokhma que tu lui as donnée, il en rajoutera. Amar ebi azar zorut a Moavia ou Shmuel a Ramati. On parle de Ruth à Moavia, deux exemples qui peuvent exprimer ce passage-là, ou de Ruth ou de Shmuel à Ramati. Ruth, Deil ou Naomi, Kamr ala ve la has le sacht le sam tsimlotaïch alaïch ve yarad tagorin. Donc, selon Naomi, d'abord elle fait tout ça et après elle va au Gorin, rejoindre Boaz. Par contre, quand elle a agi, Ruth a agi, on ne voit pas comme ça. Veilu bedida aktiv, watere da goren. D'abord, elle est descendue dans le goren, et c'est là-bas qu'elle a fait le reste. Veadar watas kichol asher simta hamuta. Et c'est là-bas qu'elle a tout fait. Pourquoi? Pour ne pas que les gens, si elle avait fait comme elle avait dit Ruth, alors les gens, les gens auraient vu une belle femme comme ça se promener, ils auraient dit, ah, c'est une zona celle-là. C'est pourquoi elle n'a pas fait ça. Donc, elle a usé de chokhma. D'accord? Bon, après, il faut réfléchir en quoi ici ça s'applique le pasouk. Ten la hacham ve yahkam od. D'accord? On dirait le pasouk, je t'ai donné une chokhma, et toi, de cette chokhma, tu as sorti une deuxième chokhma. Mais là, quelque part, Naomi, elle a un peu trébuché, quoi. Elle a dit de faire tout au début, et après d'aller au Goren. Et elle a fait le contraire. Elle a d'abord été au Goren, après, elle a tout fait ce que Naomi lui a dit. Donc, Marsha, je crois qu'il parle sur ça. Marsha dans Hidush Agadot. Shmuel, de ilu alika amale, shachel, ve aya imikra eleka, ve amarta, daber Hashem, ki shome avdecha. Donc, Shmuel entendait des voix, et Eli, lui, savait que c'était la voix d'Ashrina, et il lui a dit, dors. Et si cette voix-là t'appelle, tu diras d'abord Hachem, parle, parce que ton rêve est Shomeya. Moi, ton serviteur, j'écoute. Veil ou Bejidi Ktiv, et pourtant, quand il a entendu Shmuel, c'est écrit Ktiv Be, Voyavo Hachem, Voyk Yasev, Voyikra, Kefam, Befam, Shmuel, Shmuel. Donc Hachem est venu, et il a appelé comme d'habitude Shmuel, Shmuel, Voyom Shmuel, d'abord. Qui chomait à Avdecha. Il n'a pas dit d'Aber Hashem. Hashem, ah. Velo Amar d'Aber Hashem. Pourquoi il n'a pas dit d'Aber Hashem? Parce qu'il doutait, Rachid dit, il doutait que peut-être ce n'est pas Hashem, ce n'est pas la Shrina. Velo Rassal Askir Hashem, Shema Enzo Shechina. Là aussi, dans la même question que tout à l'heure, en quoi ici s'explique le pasouk Ten la Hakam, ou Yahkam Od. D'accord? Comme on a parlé de Ruth à Moavia, on va finir le Hamoud plus ou moins pratiquement avec des drachot. Juste avant que tu parles à l'Hamoud, Rabbi, juste si tu peux me rappeler, je me rappelle contre le Hakam, on a dit il faut donner un petit peu au Hakam, mais c'est lui qui l'ajoute. Je ne sais pas aussi qu'on l'a vu ça. Tu ne te rappelles pas? Non. Ah. C'est-à-dire que le Hokma, j'ai oublié. C'est-à-dire, ok. C'est-à-dire le Hakam, il n'est pas. Le Hakam aujourd'hui, l'homme, il n'est pas Hakam de son propre Hokma. Il n'a pas de Hokma, lui. Mais on le donne un petit peu de Hokma. Peut-être une mikavane, Yaïf, Hokma, l'Hakimin. Ah, peut-être, je ne sais pas. Ok. J'ai oublié, merci. Je ne comprends pas. Ça veut dire qu'elle est partie, elle est revenue et après elle cueille. Si elle part, c'est au moment où elle part ou elle cueille. C'est quoi? Elle part, elle revient, après elle cueille.
Alors, Amar Rabbi Elazar, chez Al-Khaoubat, Al-Khaoubat, Hachima Sabne Adam Amoukanim Lelechimae. Elle a fait des allers-retours jusqu'à ce qu'elle a vu des gens qui sont convenables qu'elle peut être avec eux pour pouvoir cueillir. Voyons, El Boaz et Naro, Anissa Balakoslim. Les Mionarazot, Boaz dit à son jeune homme qui s'occupe des Koslim, de ceux qui cueillent, c'est qui cette jeune fille-là? Le Mordakbala Vechid El Kosh El Boaz et Shor Benara. Boaz, c'est l'habitude de Boaz, l'Ishol Benara. La Pachout, le Pshat, moi j'aurais expliqué que c'est une fille qu'il n'a jamais vue. Les autres personnes, il a l'habitude de les voir, les autres pauvres, etc. Mais cette fille-là, elle n'a jamais vue. Alors, l'Agmara demande quoi? C'est un délire comme ça de poser la question. C'est pas ce n'y autre, l'Ishol Benara. Amar Rabbi Lazar, Dvar Chokhmara Abba, ou Dvar Alakha. Il a vu que elle se comportait d'une manière particulière, par sagesse, comme l'Alakha l'exige. Ra'a ba, Dvar Chokhma Ra'aba, Shne Shibolim, Lakta Shlosha Shibolim, En Alakta. Ça veut dire quand il y avait deux épis, elle prenait, trois, elle ne prenait pas, comme l'Alakha le demande, comme Rashi nous dit. Seulement, le problème qu'il y a dans ça, c'est quoi? C'est que si c'est une halakha, tout le monde devait faire ça a priori. Alors pourquoi Dvar halakha Ra'aba ou Dvar Chokhma Ra'aba? Avant l'halakha peut-être. Hein? Avant que l'halakha soit. Non, pourquoi? C'est une halakha. Shne Shibolim Rashi rapporte. Matnejin, Shne Shibolim Lakad, Leket. Shosha Shibolim Eno Leket. Alors, il y a une Fashim qui répond. Marchand répond, mais il y a une Fashim qui répond. Ils disent la façon dont l'épi est tombé. Ouais, elle pouvait savoir si c'était deux qui sont tombés ensemble, mais trois qui sont tombés ensemble, d'accord? C'est ça le Dvar Chokhma. D'accord? Maintenant, c'est possible que Zegorem, quoi. Ça veut dire, il ne la connaît pas, cette fille-là. Les autres, ils faisaient, c'est normal. Mais c'est là, il ne la connaît pas, cette fille. Et il voyait qu'elle faisait la lacha, c'est pour ça qu'il a posé la question. Mais avalon yere kol kachachi. Et maintenant, Tana, dans la Bretagne, s'est enseigné d'avoir sniout Ra'aba. Il a vu qu'elle se comportait de manière sanoua. Aomdot, me'omet, noflot, me'yushav. Les épis qui étaient debout, elle les prenait debout. Et même Kama, il y a l'éthet, comme il dit Rashi. D'accord? Ça s'appelle Shikha aussi, pardon. Et noflot, ceux qui sont tombés par terre, eh bien, Meyushav, elle se penchait pas. Elle s'asseyait pour les prendre. Quoi? Incroyable. Vechoti de Bakin imna arotai. C'est pas écrit dans le pasuk Vechoti yi. Et ainsi tu seras avec mena arot. Vechoti de Bakin. Alors demande à Gmara Vechid dans le coach el boa de Dabek imanashim. Quoi? C'est l'habitude de boa de se coller. Il y en a qui disent les Dabek. Amar Rabbi Elazar kiwan de haza watashqor pa li hamuta viruah davka ba virut pardon, j'ai dit ruah ma virut davka ba amar sharili buqe ba. Puisqu'il a vu kiwan de haza, puisqu'il a vu, peut-être ruah haqod, je ne sais pas, que watashqor pa la hamuta or pa la embrassé, elle a quitté sa belle-mère Naomi. Et Ruth, elle s'est collée à elle. Alors il a dit, Shari l'idbou keba. On a le droit de se, l'idbou keba, de se coller à elle. Pourquoi? Parce que c'est comme Hazal disent, moi vive l'homme, moi vite. D'accord? Donc quelque part, comme s'il a fait un remez à Ruth, comme quoi il lui est permis à lui de se marier avec elle. Voyons la Boaz. L'aït à Ochet, gauche et à l'homme. Il a dit Boaz au moment où il mangeait, approche-toi ici. Amar Abil Azar Remez Ramazla. Il lui a fait la lutte suivante. Achida Malchut Betavid, la 7 Mimer. Malchut Betavid va sortir dans le futur de toi, dirtiv, parce que même au sujet de Malchut Betavid, c'est marqué le mot halom. Dirtiv Be'alom, Shene Emar.
ויבוא המלך דוד, וישב לפני השם, ויאמר מי אנוכי, אדוני אלוקים, ומי ביתי כי הביתני עד הלום, כי ז'סוי, כתוי המאמנה ז'סקולה. ותבל פיתר בחומס. La suite du pasouk là-bas, et tu ne trempes pas ton pain dans le vinaigre. Dans le vinaigre. Malabil Hazar. Mais quand chez un homes, il a fait la chéraf. De là, on voit que le homes, le vinaigre, c'est bien quand il fait chaud. Ah bon? Un caniré. Alors, je vais vendre mon clim, alors, la clim. Ah, vendre. Et je vais la vendre. Vends-la. Et là, on parle de boire, là. De manger. Ah? On parle de manger, mais on avait vu une page ou deux pages plus bas, Manu, qu'il y a deux sortes de remèdes, un qui est bon, un qui n'est pas bon. Oui, pour les dents, tu parles. Ouais. Bon, faut faire attention de prendre. Les dents, ouais. Là, on parle la chaleur pour la chaleur. Mais alors, mais tu fais quoi avec? Tu le manges, le bon pain? Tu trempes quelque chose dans le remède et tu manges et tu bois. Attends, tu es ici ou tu es là-bas? Je n'ai pas compris. Non, je suis ici. Ici, la Gemara, elle dit, là, on est en période de la cueillette, ouais. Attends, oui. Je pensais qu'on pouvait le boire, ce remède là. Ok. Ok. Rav Shmuel ben Nachmani, Amar Remez Amarla, Remez Ramazla. Donc, le premier lui a dit, Mikan Shachom Esefer Echelab. Je ben Nachmani amar emez ramazla atit ben la set mimer shema'asa o kashin ki chomes. Tu vas avoir un enfant, un descendant de toi qui va avoir des actions comme le vinaigre. Umano, qui est cette personne? Menaché. C'est Menaché. Le fils de Hezkiya wa Melech. D'accord? Il était dur. Il était dur. Et Avodazara va rouler. Alors, on continue le pasouk. Wateshev misad akosrim. À la fin. Wateshev misad akosrim. Elle s'est assise, mais de l'autre côté des misad akosrim, du côté des kosrim. Amar abil azal misad akosrim velo betoch akosrim. Ça veut dire, il y avait Boaz ici, il y avait les kosrim là, et il y avait elle là. Si elle avait été au milieu des kosrim, ou bien à côté de Boaz, oui. Il n'y aurait pas eu la dracha. Mais comme là, elle était de l'autre côté, d'accord, Misad Akosrim, Velo Betoch Akosrim, Remez Ramazla, Shatidam Al-Khud Bet David, Chichit Halek. Al-Khud Bet David, de la même manière que les deux, Boaz et Ruth, ils sont séparés par les Kosrim. Alors, il y a un Remez comme quoi, dans le futur, eh bien, Al-Khud Bet David va se départager. La Cisjordanie. Comme ça, il dit Rashi, « Kol ha-kosrim ifsiku beno levena, velo hoshiva betocham o eslo. » Il n'a pas mis au milieu de eux ou à côté de lui. « O eslo rut, ruach ha-kodesh nizreka bo. » Il y a un ruach ha-kodesh à ce moment-là. « Ou zaramen shemakhut be David a yuset mishneem atida li halek. » De ilu yajwa betocham, lo yaze remez. Afsaka Belchlem. Il n'y aurait pas eu de remèze Afsaka entre les deux, même si elle était parmi les autres procédés. Waïs Batla Kali, je continue. Waïs Batla Kali lui a tendu des gringuillers. Watochal, elle a mangé. Amar Abil Azad. Watochal Bime David. Donc ici, comme il dit Rashi, ce sont tout ça, Watochal Watisba, c'est la chône roche. Une expression de richesse. Vatochal, etc. Vatochal, Vatisba. Amar Abil Azar, Vatochal bime David. Vatisba bime Shlomo. Vatotal bime Hezkiya. Dans ces trois époques-là, il y avait une richesse particulière. Veika de Amre, Vatochal bime David ou bime Shlomo. Vatisba bime Hezkiya. Vatotal bime Rabbi. De Amar Mor, Ahor Yire de Rabbi. Celui qui s'occupe des chevaux et des mules de Rabbi, Awa Atir Mishvor Malka, il était encore plus riche que Shevor Malka. Quoi? Les Matitatana, Watoch al-Baolamazé, Watisba al-Imot al-Mashiach, Watotal al-Atir Lavo. Toute cette chose-là demande Esber Biur,
On continue. En fait, là, ce qu'on va faire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait, mais ça, on va voir les mêmes Amoraïm qu'on vient de voir qui vont réapparaître. C'est marqué Vetahat Kvodo Yekad Yekod Kekod Esh. De quoi on parle? Là-bas, on parle de comment il s'appelle le Malach lorsqu'il a tué. Hein? Quel passouk là? Quel passouk? Dans quel. Ishaïa. Très bien. Donc, de quoi on parle là-bas? On parle lorsque le Malach il a tué toute l'armée. D'accord? Al-Harib. Quand ils sont venus attaquer Eskiaou. Alors, c'est marqué le Tahat Kvodo, Yekad, Jikot, Kikot, Esh. C'est quoi Kvodo? C'est quoi Tahat Kvodo? Alors, Rabbi Yohanan comprend mal Rabbi Yohanan, le Tahat Kvodo, ou le Kvodo Mamash. Ça veut dire quoi? Kvodo, selon Rabbi Yohanan, c'est les vêtements. Tahat Kvodo, en dessous les vêtements. En dessous les vêtements. Ils étaient calcinés, brûlés. Mais les vêtements sont restés intacts. Rabbi Yohanan est Ahmed et Rabbi Yohanan carré les manées mechabdotai. Rabbi Yohanan est Sachita que le kavod s'exprime par les vêtements. Il appelle ses vêtements mes objets d'honneur. Rabbi El-Azhar Omer, Vetahat Kvodo. Donc, Vechimbatu Matsudrachecha, Vechimbatu Lilbushtov Gamken. Exact, comme en avion, exactement. Alors, Rabbi Azar Omer, le Tahad Gvodo Mamash. Quoi Tahad Gvodo Mamash? À la place, le mot Tahad c'est à la place, pas en dessous. Et c'est quoi Gvodo? Son corps. Selon Rabbi Azar, son corps. C'est-à-dire les deux ils sont d'accord que le corps a brûlé, seulement il explique Tahad en dessous et l'autre explique Tahad à la place. D'accord. Très bien. Le troisième chita, Rabbi Ishmael ben Nachmani Amar, Tahat Kvodo Kisrefat ben Aaron. Lui pense que c'est comme Srefat ben Aaron. Malan Srefat Eshema Beguf Kayam, Afkan Srefat Eshema Beguf Kayam. De la même manière que les enfants d'Aaron, ils ont été brûlés, l'âme a été brûlée, mais le corps est resté intact. Même là, c'est la même chose. Ça veut dire que lui comprend Kvodo. Comme Rabbi Lazar, c'est-à-dire le corps. Tahat, il comprend comme Rabbi Yohanan en dessous. En dessous, le corps, c'est quoi? C'est la Neshama. Voilà. Comme ça, Rachid a expliqué la mahlok des trois. Regardez le dernier Rachid du Hamoud. Vachi Pirusha, ben Rabbi Yohanan, ben Rabbi Lazar, Goufan Israf. Et la Rabbi Yohanan, Mashmale, Tahat, Kvodo, Kemo Tahat Raglao, en dessous, la Chol Tahchit. Kvodo, Inu Bgadao. והחיקה אמר תחת בגדיהם של החיילותיו של הסנחירים, יקד יקוד ולא בגדיהם נשרפו. ורבי אלעזר משמע לתחת לשון חליפין על הפלס, כמו ישלם תחת השור. משום דרבי אלעזר לא קרא למנה מכבדותי, ולפל פעם לבטמו לא עונך. וכך, על כורחי הכבודו היינו גופו, והחיקה אמר, כבודו ממש ישרף. לכור לימם אלא ברולה. Le tartav, il y a la place, il y a de la cendre. C'est le fait qui compte. Je vais Rabbi Shmuel, je m'en vais. Tahat, que Rabbi Yohanan, ou Vodo, que Rabbi Lazar. C'est bien. Amar Abba Haba Rabba, Amar Rabbi Yohanan, Minaïm, les Shinoï Bgadji, Minatora, d'où je sais que changer les vêtements, c'est important. Ça veut dire, il y a une honorification en fonction de la tenue vestimentaire qu'on a. D'accord? Il y a des vêtements honorables, d'autres moins honorables, et c'est important. C'est marqué dans la Torah, il enlève ses vêtements, et il met d'autres vêtements, et de quoi on parle là-bas? Vous aussi êtes à déchet, il va sortir le déchet, la cendre. La Torah lui a imposé de changer de vêtements pour sortir la cendre.
Tout à l'heure, il était en train de s'occuper des corbanotes, c'est d'avoir Hachou. Maintenant, il va sortir la cendre, d'avoir moins noble. C'est pourquoi il doit changer de vêtements. Pour ne pas que les vêtements Hachouvim soient salis. D'accord ? Avoda de Kitour Venissou. Mais Tana de Rabbi Ishmael, à ce sujet-là, les maîtres à Torah, des Recheres, Bradim, Shibishel, Baem, Zdera, les rabots. La Torah t'a pris de l'echeres. Les vêtements avec quoi tu cuisines, l'agdera pour ton rav, eh bien, tu ne dois pas le verser, le verre de vin, à ton rav. Tu dois changer de vêtements. Baruch Adonai et Léon. Amen. Ne bois pas beaucoup. Hein. Pas. Ne bois Allez. Pas beaucoup. Ne bois pas quoi? Arak, yayin, maïm, chachis. Non, maïm, il a le droit. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu vas aller à l'Hanokhbait. Ah, je ne sais pas si je vais aller, je vais appeler déjà, je vois. Demain, comment dire? Demain, on fait quoi? On fait ou on ne fait pas? On ne fait pas. Allez, on ne fait pas. C'est vendredi. Attends. Merci. J'en vacances à Mousse, moi. Je ne prépare rien, c'est pour ça. Herbie Emmanuel. J'écoute. Vatil, vatabo. Alors, tu sais, en arabe, qu'est-ce qu'on dit? M'sha kalno. M'sha ja. M'sha amal. Donc, chaque fois qu'il y a kalno, la hazet kol m'sha. Vatil, vatabo, m'sha. Ou m'sha tout zet. Tu as compris? Ça ne répond pas à la question. Pourquoi il a dit pourquoi va-t-il le matavo? Va-t-il le matavo? Va-t-il la quête? Oui. Va-t-il la quête? Mais c'est va-t-il le matavo? Oui. Zet bas tlaqat. Zet bas tlaqat. Et on va dire que mshaqal. Qu'est-ce que ça veut dire mshaqal? Qu'est-ce que ça veut dire mshaqal? Va-t-il va-yelakh va-yomar. Voilà, va-t-il va-t-il la quête? Mshaqal tlaqat. مشات لقت وتلخ وتلقت نو هي جات تلقت جات بس تلقت ما كانتش غير جات اوكي فهمتك اوكي allez hazak mais pas parler de Shabbat ah au début là avec les grands pas les petits pas pendant Shabbat ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Shabbat ok on parle que de Shabbat allez. Là, ça fait non, des vrais sujets de Shabbat, pas de quoi que Namborer et tout. Ok, ouais, c'est vrai. Allez, bye bye. Jonathan, tu es en vacances? Ouais. Où ça? Au Canet. Sahalik. Oui, Bahda Jean Lépin. Bahda Cannes, à côté de Cannes, Fréjus. Sahalik. Cheikh Marc, c'est dimanche le prochain cours? Oui, dimanche, oui. Dimanche soir. Tu me diras à quelle heure? Tu me diras à quelle heure. Comme d'habitude. C'est quoi, 2h ou 9h? 9h. Ah, d'accord. Ah, moi, je ne veux pas les vacances, je ne veux pas. Allez. Allez, tu es tôt. C'est pour toi, 9h, Jonathan. Hein? Pour toi, dimanche à 9h, c'est bon? Du soir, ouais, je pense, c'est bon. Ou la tchab t'akhris fil ta'amal suyadoura fil ba'dal. Non, c'est bon. Allez, bye. Allez, Shabbat Shalom. Bye, Shabbat Shalom.